si aujourd'hui Florent Pagny coule désormais des jours heureux aux côtés de son épouse, Azucena Camano, il a cependant connu d'autres histoires d'amour. Des relations qui se sont souvent accompagnées de ruptures difficiles. Notamment celle avec la chanteuse Vanessa Paradis avec qui il est resté pendant près de 3 ans. Dans les pages de Paris Match, ce jeudi 6 avril, le chanteur s'est souvenu de cette terrible séparation. En effet, sa rupture avec Vanessa Paradis en a un très mauvais souvenir. Pour cause, cela s'est produit lorsque la carrière du chanteur n'était pas au beau fixe. À un moment ça n'allait pas bien. Je n'avais plus de succès, je ne vendais plus. Vanessa était partie et mes potes étaient partis avec Vanessa, s'est-il souvenu. Ça a été l'horreur, a-t-il ensuite précisé, ajoutant que sa vie ne s'est améliorée que lorsqu'il a rencontré celle qui partage sa vie actuellement, Azucena, en 1993. Supérieure à Florent Pagny, qui sont les femmes de sa vie? Florent Pagny, cache sur sa relation avec Vanessa Paradis. Le mercredi 5 avril, Florent Pagny était présent sur les ondes de RTL. Et à nos confrères, l'interprète de Ma Liberté de Penser avait également évoqué la précédente idylle qu'il a vécue avec Vanessa Paradis. Une relation qui lui a laissé des souvenirs mitigés. Je n'ai pas d'amertume, c'était une très belle histoire d'amour, avait-il assuré. Pourtant, compte tenu de la notoriété fulgurante de son ex, à l'époque, Florent Pagny a longtemps été catégorisé comme étant l'ex de Vanessa Paradis. Une remarque que son épouse lui avait même déjà faite. Si est-il marrant, toi, tu as passé 3 ans avec Vanessa, mais elle n'a jamais été avec toi, lui avait-elle fait savoir. Chaque fois qu'il pouvait y avoir un article me concernant, j'étais toujours l'ex ou le fiancé de Vanessa Paradis, avait-il alors reconnu ensuite à nos confrères. Fort heureusement, au fur et à mesure des années, cette fameuse image a fini par s'essouffler. Crédit photo, best image.